Et la triste fin d'Henry Winkler. Henry Winkler est un acteur américain, surtout connu pour son interprétation de Fonzie dans la sitcom à succès Happy Days dans les années 1970. Il est ensuite apparu dans des films comme Scream, programme télévisés, notamment The Practice et Arrested Development. Il joue actuellement le rôle de Gene Cousineau dans la série à succès Barry pour laquelle il a remporté son premier Emmy est né le 30 octobre 1945 à New York. Enfant effervescent, il adore jouer et dès l'âge de 14 ans, Winkler décide de devenir acteur. Après le collège, il est accepté à la Drama School de l'université de Yale. À Yale, Winkler se consacre au théâtre le jour et jouant dans une autre le soir. Après avoir obtenu son diplôme, il retourne à New York pour faire sa marque à Broadway. En 1973, Winkler pour tenter de faire carrière à la télévision. En deux semaines, il décroche le rôle du compagnon de Valérie Harper dans le Mary Tyler Moore Show, puis un rôle plus important dans le Bob Newhart Show. Moi à Los Angeles, Winkler a le mal du pays et décide de rentrer à New York. Avant de faire ses valises, il passe une dernière audition pour le rôle d'un motard dans la nouvelle série télévisée Happy Days. À l'origine, Marshall avait imaginé un Italien costaud dans ce rôle, mais après l'audition de Winkler, ses recherches épuisantes ont pris fin. Le 15 janvier, Winkler fait ses débuts à la télévision dans le rôle d'Arthur Fonzi, Fonzarelli dans Happy Days. Bien qu'il n'ait que quelques répliques et une place secondaire dans l'intrigue, attirait l'attention. En peu de temps, Winkler se retrouve en tête d'affiche aux côtés de Ron Howard. Sa nouvelle célébrité est presque écrasante et la Fonzie Fever balaye la nation. Le cinéma date de 1974 avec Lords of the Flatbush, dans lequel il incarne un membre d'un gang de Brooklyn. Après l'annulation de Happy Days, Winkler a créé sa pro et a continué à produire les séries télévisées à succès Ryan's Four et MacGyver et a également réalisé le film Memories of... Poursuivant sa carrière d'acteur diversifié, il a joué dans des films tels que le succès d'horreur pour adolescents *Crime*, The Waterboy avec Adam Sandler, la série télévisée The Emmy et Arrested Development. En 2018, Winkler a commencé à jouer aux côtés de Bill Hader dans la série de comédie-drame Barry. Le rôle de Winkler en tant que premier cousino lui a valu son premier Emmy en 2018 pour le meilleur acteur de soutien, ainsi qu'une nomination dans la même catégorie pour 2019. En dehors de Marie dévoué, il a épousé sa femme Stacy Weitzman le 5 mai 1978 et est un père dévoué pour leurs deux enfants, ainsi que le beau-père du fils de Weitzman, issu d'un... Son dévouement envers les enfants ne se limite pas à sa famille. Il a été le producteur de All the Kids Are Doing It et The Strong Kids, Save Kids et défend plusieurs groupes brisés. En outre, il est impliqué dans la Fondation pour l'épilepsie, Toys for Tots et d'autres organisations caritatives. Malheureusement, c'est pendant les débuts de Happy Day que Winkler a été diagnostiqué dyslexique et Winkler a réalisé qu'il était aussi. Ainsi... Alors que les acteurs s'asseyaient autour de la table lundi matin et le tribuchaient au moins une ou deux fois par paragraphe. Et puis on m'a diagnostiqué et je m'en suis moqué. Je l'ai couvert d'humour. Quand je ne savais pas ce qui se passait pendant la première ou la deuxième année, il riait. Je suis sûr que c'était frustrant parce que je n'arrêtais pas de casser le rythme de la blague ou de la scène ligne, elle dépend de ce flux qui arrive comme un affluent d'une rivière, et mes affluents n'arrêtaient pas de devenir, comme s'il y avait un castor au milieu d'eux, faisant un barrage, a-t-il déclaré. Pour écouter l'histoire d'Henry Winkler. Que pensez-vous de sa vie Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé.